depuis janvier de l'année passée, on a commencé à parler, avoir des discussions pour avoir un genre de forum où on pourrait rassembler les gens pour qu'on puisse ensemble essayer de penser à des idées, à développer des stratégies pour continuer nos luttes contre la violence policière et l'impunité. Je suis ici aujourd'hui vraiment pour être plus un témoin, dénoncer certaines expériences que j'ai eues autant que jeune de minorité raciale et aussi au niveau de la criminalisation du hip-hop. Donc, le genre de brutalité, d'abus d'autorité qu'on a vécu, les expériences, la multitude d'expériences depuis que je suis au secondaire jusqu'à maintenant. Obviously, aggression is the word of the day. I mean, the internet don't even have to be soliciting. They can just be walking to the metro, waiting for the bus, or waiting for the train, and you know, it's either move along, or they give them a ticket, or even IDing them. That's the favorite thing these days, you know. J'ai eu l'occasion d'exercer un métier qui s'appelle policier. Et évidemment, dans le cadre de cette fin de semaine-là, on m'a invité à parler de mon expérience, puis de mon évaluation, en fait, sur ce qui se passe dans le milieu de la police, de la répression. Voilà, j'ai travaillé pour la GRC pendant 5 années. Puis, c'est ça. Donc, je suis venu parler un peu des expériences que j'ai vécues. J'ai travaillé sur un territoire des Premières Nations. Puis, par la suite, j'ai été transféré dans le sud du Manitoba. Donc, c'était là mon expérience que j'ai eue en tant que policier, jusqu'à temps que je quitte pour revenir ici au Québec. On forme une escouade. Une escouade, ça prend, c'est quoi, 80 millions pour la former, l'escouade Eclipse. Puis là, on met l'escouade Eclipse là-dessus. Alors que si on avait mis cet argent-là dans d'autres choses dans la communauté, je pense que ça aurait pu bénéficier bien plus que la police. Parce qu'on peut acheter autant de policiers qu'on veut partout. On peut avoir une ville juste de policiers. Mais ça ne réglera pas certains problèmes. Ça ne réglera pas les problèmes de pauvreté. Ça ne réglera pas des problèmes de délinquance. The most emotional time for me was the hearing from the families because everybody can relate to that. Everybody can relate to talking about a mother or a father or a brother that's been taken away. And to hear that raw testimony from people was you know, very emotional, but it was important. And I was, I'm glad they were here, and it was very courageous for them to share that with people. That's not something that's really easy to do. Après cette fin de semaine, les gens sentent un peu plus de force, un peu plus de courage, un peu plus de solidarité en fait entre nous. As I said, this is it's a start. Somebody said to me after one of the panels yesterday that il y a un air de quelque chose débutant dans la salle, and I agree. There was something there, and that's something I hope we build on. Moi, je suis quand même optimiste de voir la participation, les échanges qu'il y a, les commentaires, l'intérêt que les gens manifestent, la sensibilité par rapport à ce problème-là. Je pense que c'est une preuve de plus qu'on touche un problème réel. Donc, on espère qu'avec toute cette énergie de tout le monde, on pourra continuer après le forum, puis que ça n'arrête pas en fait avec le forum. C'est un début. Que ça, c'est juste un début, puis c'est pas une fin en soi. Pour faire une différence face à une machine comme ça, il faut être prêt à se retrousser les manches et à travailler fort.